Carmen Sama déclare officiellement la date de son mariage et fait des révélations sur ce mariage. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Carmen Sama affirme vouloir se marier en 2022. La condition serait déjà qu'elle trouve un petit copain selon ses dires. Elle fait partie des personnalités people qui enflamment le plus la toile ivoirienne ces derniers mois. Carmen Sama, la mère de la Chine et ancienne compagne d'Arafat Diji, multiplie les sorties médiatiques. Parfois polémiques, ses interventions sur les réseaux sociaux ne manquent pas de faire parler, surtout du côté des fans de son défunt conjoint. Ce lundi 3 janvier 2022, la jeune dame a fait une publication qui n'est pas passée inaperçue. En effet, Carmen Sama a pris une résolution. Elle voudrait se marier en 2022 dès que les conditions seront réunies ou tout simplement dès qu'elle se trouve un petit copain. C'est ce qui ressort d'une publication de la jeune dame parue en story sur le réseau social Snapchat ce lundi 3 janvier. On peut y lire les mots suivants, c'est bon, c'est officiel, 2022, je me marie. Dès que je trouve un petit copain bien sûr. Voici l'une des résolutions qu'aurait donc prise la jeune dame pour la nouvelle année. Il faut dire que depuis quelques temps, Carmen Sama alimente les buzz sur la toile. C'est donc à cœur joie qu'elle donne du travail à ses détracteurs. Alors que le buzz concernant sa nouvelle chevelure, ou coupe de cheveux, blonde, n'est pas encore fini, la veuve de Diji Arafat Carmen Sama vient une nouvelle fois d'attiser la toile par l'annonce d'une nouvelle qui risque de faire couler encore plus l'encre sur les réseaux sociaux. Dans une sortie récente sur la toile, la belle-fille de Tina Glamour, Carmen Sama a corroboré les allégations et spéculations concernant son envie de se remarier, qui circulaient depuis quelques temps maintenant sur le net. En effet, la belle Carmen Sama vient d'annoncer officiellement qu'elle allait se remarier durant cette nouvelle année, mais précise que cela ne serait possible que si elle trouve bien entendu un conjoint qui voudrait bien lui mettre la bague au doigt. Carmen Sama. C'est bon, c'est officiel, 2022, je me marie dès que je trouve un petit copain bien sûr, a-t-elle fait savoir. Pour rappel, il y a de cela quelques mois, la nouvelle redoutable influenceuse ivoirienne Carmen Sama avait fait une sortie fracassante sur son compte Snapchat en annonçant qu'elle comptait bientôt se remarier grâce à l'intervention ou par l'intermédiaire du boss Mollard. Une nouvelle qui avait complètement enflammé et secoué la toile ivoirienne. Il faut dire que la mère de Rafna, Carmen Sama a déclaré à maintes reprises dans ses différentes sorties médiatiques qu'elle avait envie de refaire sa vie vu qu'elle est encore jeune 26 ans et surtout qu'elle le mérite. Pour ce faire, qui de mieux à ses côtés pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure qu'un homme disposé à l'aimer. Cependant, l'on ignore encore l'heureux élu et l'homme qui fait battre actuellement le cœur de la ravissante Carmen Sama. Pour rappel, Carmen Sama et sa fille séjournent actuellement dans la capitale française Paris.